Oh, ça c'est ma voiture préférée. Elle est toute jaune. Oh non! Est-ce que tout va bien? J'ai mal au ventre. Ça va aller. J'ai envie d'aller aux toilettes. Oh, il faut réagir alors. Vite, dépêchons-nous. On y est. Fais comme chez toi. Non, je ne peux pas. Et comme ça, c'est mieux. Non, toujours pas. Ah, et regarde ça. Je ne sais pas utiliser les toilettes. J'ai compris, ne bouge pas. J'arrive. Fais vite. Allez, je vais essayer. Voilà ce qu'il me faut. Ça aidera sûrement, Jake. Comment est-ce que ça marche? Non, ce n'est pas comme ça. Attends. Je fais ce que je peux. Tu as l'air ridicule. C'est méchant, ça. Ne t'inquiète pas, Monsieur Flamant Rose va te montrer. Ah bon? Mais comment? D'abord, il faut le nourrir un peu. Parce qu'il a très faim. Waouh! Allez, mange tout. Ensuite, il s'assoit sur les toilettes. Ah, d'accord, je vois. Il digère sa nourriture et il fait son affaire. C'est un peu dégueu, quand même. Mais c'est bon. J'ai compris comment utiliser les toilettes. C'est parti. Oh, je ferais mieux de sortir d'ici. Merci, Ellie. À tout à l'heure. Ouf, ça marche. Vroom. Oh non, un accident. Bip, bip. Oh, qu'il est mignon. Hé, hey, pousse-toi de là. Vroom. Allez, donne-moi ça, c'est l'heure du petit déjeuner. C'est pas grave, j'en ai un autre. Il faut manger, mon chéri. Non, je veux continuer à jouer. Vroom. J'ai dit non. Tu manges ton assiette et je garde les jouets tant que tu n'as pas fini. Oh, c'est trop nul. Oh, trop bien, un autre volant. Vroom, je suis un pilote de course. Ah, c'est moi le meilleur. C'est bon, mon poussin? Oh non. Mais c'est pas vrai. Quel bazar. Ah, j'ai une idée. Merci. Grâce à ça, plus de soucis. J'aurais dû y penser avant. Comme ça, il ne pourra plus rien renverser. Oh, c'est quoi ça? Je le veux. Donne, donne. Une minute, mon chéri. Je vais mettre le petit déjeuner dedans. Youpi! Et voilà. Oh, trop bien. Regardez. Merci, maman. Avec plaisir. Fini les cochonneries. J'adore ce bol. Être le meilleur pilote, ça donne faim. Il faut que je me dépêche. Vroom! Hé, regardez tout ce dentifrice. Ça fait beaucoup. Coucou, Jake. Tu te laves les dents, mon garçon? C'est très bien. Hein? Oh! Ah! Aïe! Mais d'où est-ce que ça sort, tout ça? Jake, qu'est-ce que c'est que tout ça? Celui-là est fini. Oh, Jake, tu as utilisé tous les tubes de dentifrice? Coucou, maman. Ouais, c'est pour bien laver mes dents. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, mon ange. Regarde-moi ce bazar. Chérie, pose ce tube de dentifrice. Pourquoi? Je voudrais te montrer comment faire. Regarde. C'est quoi? On met le tube de dentifrice juste ici. Et on le colle au mur. Comme ça. Oh, waouh! Maintenant, regarde. Tu mets ta brosse à dents à l'intérieur et l'appareil dépose la quantité idéale de dentifrice. Ensuite, tu peux te brosser les dents. C'est trop génial! Je peux essayer? Maman, regarde, ça marche! J'y arrive! C'est bien, mon lapin! Continue le brossage! Oh, allez, chérie, tu es prêt à aller nager? Prends ton bonnet de bain! Non, pas de bonnet de bain! Tu ne peux pas me forcer! Oh, qu'est-ce que les enfants peuvent être pénibles! Maman, regarde-moi! Oh, j'ai une idée! Je vais remplir le bonnet d'eau! Je suis un dragon d'eau, le meilleur au monde! Je peux respirer dans l'eau! Hein? Non! Voilà ton bonnet, mon chéri! Il a frappé ma tête! Oh, je suis trempé maintenant! J'ai soif, je veux boire de l'eau!
Il faut que je tourne le robinet. Ah, je n'arrive pas à l'atteindre. C'est trop loin. Maman, je veux un verre d'eau. Oh là là, mon bébé m'appelle. Je ferais mieux d'aller voir. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai soif. Ne t'inquiète pas, je vais te servir un verre. Et voilà un verre d'eau pour mon chéri d'amour. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Oh, je ne suis pas convaincue par ce livre. Maman! Oh, je crois qu'il a encore besoin de moi. Oh, je ferais mieux d'aller voir ce qui se passe. Maman, de l'eau, s'il te plaît. Bien sûr, un instant. Tiens, voilà un verre d'eau. Oui! De l'eau, de l'eau, de l'eau! Maman! Oh là là, il crie tellement fort! Je ne réussirai jamais à finir ça! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Encore de l'eau! D'accord, attends une seconde. Je reviens tout de suite. Regarde ce que j'ai pour toi! Waouh! Tiens, c'est un petit distributeur d'eau, juste pour toi! Il est à ta taille. Tu peux l'atteindre sans problème. Oh, un pingouin! Je vais te montrer comment on l'utilise. Tu tiens ton verre comme ça et tu appuies sur le bouton. Mais non, ça fait des bulles! Tiens, de l'eau rien que pour toi. Je veux encore de l'eau! Tu as raison, c'est bon pour toi. Oui, j'ai un super pouvoir, je fais des bulles! Trop fort! Je dois aller aux toilettes. Oh, j'aime vraiment bien la couleur de cette pièce. Je dois aller aux toilettes. Les mamans sont interdites d'accès. Ouf, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ah, j'ai besoin de papier toilette. Hein? Oh, c'est un monstre du papier toilette. Ah, il m'a eu. Oh, le monstre du papier toilette m'a eu, maman. Hein? Qu'est-ce que tu fais, tout enroulé dans du papier toilette? Il m'a eu. Ah, je suis mort. Ah, je n'en veux plus. Oh, d'accord, d'accord. Attends un instant. Bon, je crois qu'on va faire un cours de papier toilette. Viens ici. Trop de papier toilette. Oh, des ballons. Oui, assieds-toi, je vais te montrer comment on utilise du papier toilette. Bon, alors, prends du papier toilette, mais pas trop. Tu vas le plier délicatement. Le plier? D'accord, je sais faire. C'est bien, et maintenant, tu l'utilises comme ça. Tada! Tu vois? Plus de monstres du papier toilette. À toi. Hein? Essuyer les ballons? D'accord, voilà le papier toilette. Oh, les ballons sont des fesses! Oh là là, tu grandis si vite! Fesses en ballon, fesses en ballon! Hé, hey, maman, je peux avoir des bonbons? Oui! J'adore le chocolat! Miam, 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 miam! Oh, je pourrais manger du raisin, mais il y a du chocolat juste ici. Un petit morceau ne va pas faire de mal. Je vais me faire plaisir. Juste un deuxième, ni vu ni connu. J'ai presque fini d'écrire ce rapport. Hein? Le bol est vide? Oh là là, je n'arrive pas à le croire. J'ai mangé tous les chocolats. Non! Oh non, c'est impossible. Il va être furieux. Maman, je suis rentrée. Il faut que je fasse quelque chose, et vite. Oh, je peux peut-être me servir du raisin. Et si je les emballais? Ça ne coûte rien d'essayer. Je vais tous les emballer. Et voilà, c'est le dernier. Coucou chérie, tu m'as trop manqué. Maman, c'est l'heure du goûter, non? C'est bon, merci, salut. Oh, est-ce qu'il va remarquer quelque chose? Hein? Ça n'a pas le même goût que d'habitude. Je vais jouer avec mes dinosaures. C'était moins une. Va-t'en, le flamant rose.
Je vais dessiner sur mon ballon avec ce feutre. Voilà, j'ai fait une tête qui sourit. Oh, un vrai petit artiste. J'adore les têtes en ballon. Non, il faut que je le regonfle maintenant. Ma tête en ballon. Non. Le ventilateur a tué ma tête en ballon. Oh non, ne pleure pas. Je sais ce que je peux faire pour remédier à ça. Je veux mon ballon. Alors, j'ai le ballon crevé et un autre ballon. Voilà, je vais mettre l'un dans l'autre. Et maintenant, je vais ajouter des étoiles à l'intérieur. Ensuite, je vais aussi remplir le ballon à l'intérieur avec de l'eau, mais sans trop le remplir. Et la dernière étape, le ruban. Et voilà, le ballon est bien fermé pour que l'eau ne puisse pas partir. Chérie, regarde, je t'ai fabriqué un nouveau jouet. Hein? Un nouveau jouet? C'est quoi ça? Mais non, il y a un ballon qui sort quand j'appuie dessus. Yeah, il y a des étoiles à l'intérieur en plus. Trop bien! Ah, Krabby va t'attraper. Salut chérie, tu t'amuses bien? Je t'ai apporté un goûter. Trop bien, des nounours. Merci. C'est lui que je vais manger en premier. Miam, mon préféré. Oh, trop mignon. Allez, amuse-toi bien avec tes jouets. Attention, le roi crabe arrive. Le roi crabe est idiot. Il se transforme en crabe pirate de l'espace. Tire de pistolet laser. Oh non, mes bonbons. Oh non, qu'est-ce qui leur est arrivé? Oh, c'est tout visqueux. Burk. Maman. Oh là là, qu'est-ce qui... Mes bonbons sont tout visqueux. Burk maintenant. Oh, je vois, ils ont fondu au soleil. Oh, ça me donne une idée. Je reviens. Alors, je vais prendre une assiette, du papier cuisson et un moule à gâteau. Ça sera joli avec cette étoile. Je vais la remplir de bonbons. Ensuite, je vais les faire fondre. C'est parti! Ils commencent à se déformer et à s'étaler dans le moule. Et pour finir, je vais ajouter un bâtonnet. Je n'ai plus envie de jouer. Je suis triste. Mes bonbons me manquent. Tiens, mon chéri. Trop bien! Une sucette en étoile. Miam! Ça a le même goût que mes bonbons. Super Hippocampe, goûte-moi ça. J'adore. Les pieuvres ont trop de bras. Je ne veux pas de leurs câlins. Non, je ne veux pas me lever. J'aimerais t'en faire une grasse mat. Sauver le monde, vraiment, il faut que je le fasse maintenant. Ah, c'est pourtant bien ce que j'ai accepté en devenant un héros. Costume enfilé, je suis prêt à partir. Bon, par où commencer? Oh, oh non, les toilettes, c'est par là que je devrais commencer. Je devrais me rappeler d'y aller avant d'enfiler mon costume. Je vais juste me mettre bien en face et... Ah, ça va déjà mieux. Oh, 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 waouh. La, 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 la. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Burk, phew, je me sens bien mieux. Maintenant, je peux aller sauver le monde. Et salut, beau gosse. Ok, reprenons cette journée depuis le début. Je me sens super bien et je suis trop beau. Wouh, yeah. Attends, c'est quoi ça? Du papier toilette? Ah, plus le papier, je me casse. Attention, le spectacle va bientôt commencer. Coucou, Mickey. Salut, Dolly. Oh non, un dinosaure. Waouh, wow, ça fait peur. Oh! Maman, j'ai fait un pétou. Ah, oh, je peux le sentir d'ici. Piou, c'est une horreur. Oups. Je pense qu'il est temps que tu apprennes à aller au pot. C'est ce que font les grandes filles. Regarde. Waouh, la pression. Tu t'assois et tu fais popo. Tu vois, c'est facile. Tiens, essaye. Quoi? Maintenant? Bon, d'accord.
Regarde mon nouveau chapeau. Oh, j'aurais dû m'en douter. Non, Mickey, il faut s'asseoir dessus. Mickey, arrête ça. Hey! C'est très bizarre. Comme ça. Burk, ne mets pas ta bouche là-dessus, ça sert à faire popo. T'es méchante. Non, ne pleure pas. C'est trop nul. Et puis, moi, j'aime bien les couches. Attends, tu vas voir. Et si je mettais une couche dans le pot? Tu vois, maintenant, c'est pareil. Oh, dans ce cas, c'est d'accord. Allez, vas-y. Ça fonctionne. Et ne regarde pas. Oui, j'ai réussi. C'est super. Bravo, ma princesse. Ouh, tu n'y es pas allée de main morte. Maintenant, je vais jeter ça à la poubelle. Et vite! Maman, j'ai réussi! Bien sûr que oui, mon ange. Oups! Pardon! Je crois que c'est ton tour! Merci, chérie! C'est tellement embarrassant! Je ne pourrai jamais effacer ce souvenir! Je m'ennuie! T'as vu ça? J'arrive, les filles! Tenez, soyez sages, hein? Et maintenant, on fait quoi? Au moins, elle sait qu'on est là, pas vrai? Hé, je le veux! Donne-le-moi! Oh, c'est joli! Ouah! Maman! Tiens, c'est bon! Ouah! C'est de ta faute! Maman! Ellie est méchante! C'est pas vrai, c'est Mickey d'abord! Où sont passées vos tétines? Oh, les voilà! Je vais les passer sous l'eau. Oh, qu'est-ce que je ferais sans ça? Voilà, les filles! Ouah! Oh! Et voilà pour toi, Mickey! Blurk! Ouf! Je les ai! Je sens que ça risque de se répéter. À moins que... J'ai peut-être une idée! Hein? C'est quoi? Je sais exactement comment éviter que les tétines ne tombent par terre. Je vais accrocher un ballon à chacune d'elles. Waouh! C'est malin! Il faut juste que je m'assure que le nœud soit bien serré. Oh! Waouh! Voilà, comme ça, plus de tétines au sol. Finalement, cette fête est sympa! Top là! Youpi! J'adore les ballons! Joyeux anniversaire, les filles! Regarde ce gros gâteau! Oh, waouh! Hop là, les tétines! Bon, c'est pas grave. Des tétines volantes! Allons-y, prenons un peu de gâteau. J'espère que vous allez l'aimer. J'ai tellement de chance de vous avoir. Oh, ma tutute! C'est trop bon! Allez, c'est parti! On y va! C'est maintenant ou jamais! Allez, tire! Oh! Maman! Ouais! Bien joué! Comment? Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Il y a trop de bruit. Maman, je regarde le match! Oh! Sérieusement, maman? Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis occupée. C'est toi qui t'occupes des petits. Tiens, voilà leur biberon. Tu plaisantes, là? Oui, oui, j'arrive. Maman, reviens! Merci, maman. Bien, maintenant, il n'y a plus que vous et moi. T'es trop mignonne. Toi aussi, t'es mignonne. Oui, je sais. Ouah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas drôle. Qu'est-ce que je suis censée faire? La 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 la. Arrêtez de pleurer, je vous en supplie. Stop, ça suffit. Oh non! Ouf! Je vous tiens! Oula! Ce n'est pas du tout une bonne idée! Ouais. En fait, c'est pas si terrible! Tenez, vous avez faim? Oh! Miam! Moi! Moi! Oh, c'est plus difficile que ce que je pensais! Allez, encore un petit effort! Par ici! Ouais. Oh,
Je fais ce que je peux. Hé! Voilà ce qu'il me faut. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Vous allez voir, tout va s'arranger. Casque, check. Biberon, check. C'est parti. Cool. Bon appétit. Trop facile. J'espère qu'elles vont bientôt dormir. J'ai besoin de repos. Oh, le marchand de sable. Oh, regardez-moi ça. Tu m'as bien aidée. Je te remercie. Et tu m'aideras encore. Oh, tu es tellement adorable. Merci. Mince, tu parlais du bébé, c'est ça? Coucou, toi! Oh, une seconde, j'ai reçu un message. C'est pas vrai. C'est les soldes? Génial! Je dois y aller. Je te laisse le petit. Hein? Quoi? Mais où tu vas? Maman va faire chauffer la carte bleue. Amusez-vous bien! Tu vas passer un peu de temps avec ton papa. Cool! Oh, tu as mes yeux! Hi, t'es rigolo! La la la! Trop drôle! Grrr. Oh! Ouah. Oh, je me suis peut-être un peu emportée. Tiens, et si je te donnais ton biberon? Ça peut marcher. Non, j'en veux pas! Génial! Comment je fais maintenant? Oh, attends! J'ai une idée! Il me faut des ciseaux. Je découpe un trou dans mon t-shirt et je passe la tétine à l'intérieur. Essayons encore. Miam, ça c'est du bon lait. Quelle journée! Hein? Oh non, c'est trop mignon! Chut! Tu vas le réveiller. Tiens, retourne dépenser de l'argent. Oh, tu es le meilleur, mon chéri. Je vous laisse tous les deux. Oh, il dort à point fermé. Ouf! Quand les enfants ne veulent pas manger leur brocoli, quand un petit monstre ne veut pas aller au lit, quand leurs couches sentent le pipi, il ne vous faut pas un super-héros. Il vous faut une super nanny. Pas de tâches ingrates ou de sale boulot. Vous m'appelez et c'est parti. Allons-y. Waouh, il fait trop noir ici. Mais où suis-je? C'était quoi ce bruit? Qui est là? Je veux ma maman! Oh, c'est vraiment trop triste. Je préférerais regarder une bonne comédie romantique. Un problème? C'est le moment de passer à l'action. Oh, une pièce qui brille. Hein? C'était quoi ça? C'est mon jour de chance! Waouh! Qui êtes-vous? Je peux vous prendre une petite chips? Ça va pas le faire comme ça! Laisse-moi! Va jouer ailleurs! C'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que... Cool! Je te tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Waouh! Un A en maths! Maman va être tellement fière de moi! Je crois que ça mérite bien une petite récompense. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi cette feuille. J'ai bien travaillé, pas vrai? On va voir. Voici ta note, Mathieu. Non, c'est pas vrai! Un F? Bon, c'est pas grave. J'ai qu'à changer ma note moi-même. Un A, c'est plutôt pas mal. Waouh, quel coup de génie! À quoi ça sert de réviser? Ah, tu mens! D'accord, vous m'avez eu. Mais j'aurais dû avoir un A pour mes efforts. Tricher ne mène à rien. Il faut que tu étudies. C'est trop ennuyeux. Voici ta note, Mathieu. Encore un F? Mais je l'ai lu pourtant, ce livre barbant. Oh bon, je vais arranger ça. Non, Mathieu, c'est mal.
Il faut toujours qu'elle vienne tout gâcher. Oui! Des skateurs comme moi! Il n'y en a pas deux! Quel bazar ici! Oups! Pardon, monsieur dinosaure! Je comprends mieux pourquoi votre espèce a disparu! Oh! Une voiture! Ma préférée! Miam miam miam! Non! Passer l'aspirateur aide à se détendre, en fait! Cette voiture de sport sera votre 4 heures! Je vais la chercher! Waouh! Regardez-moi ça! Elle brille de 1000 feux! Il faut que je l'attrape! Presque! Allez! Il me la faut! Oh! Ça devrait le faire! Je vais pouvoir l'atteindre maintenant! Cette voiture va être à moi! J'y arrive pas! Si seulement j'étais plus grand! Ces livres me servent à quelque chose, finalement! Ça devrait faire l'affaire! J'y suis presque! Je peux la toucher! Encore un petit peu! Je l'ai! Waouh! Magnifique! Waouh! Dégoûtant! Il y a trop de toiles d'araignée! Oh oh! Ouf! J'ai eu chaud cette fois! J'ai trop hâte de jouer avec! Vroom vroom! Hein? Non! Je dois faire vite. Les toiles d'araignée peuvent attendre. Je te tiens. Vous m'avez sauvé la vie. Ma voiture. Burke. Oh, dégoûtant. Quel bazar. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ferais mieux de nettoyer tout ça. Après tout, j'ai des super pouvoirs. La fée du logis est là. Et ensuite, ce sera au tour du robinet. Voilà, ça brille maintenant. Phew, c'est épuisant. Il faut remettre ces assiettes à leur place. Et voilà. C'est l'heure du petit-déj. Un bon bol de céréales. Viens par là. Je reviens tout de suite. Comment un seul petit garçon peut mettre autant de bazar? C'est vraiment dingue! Oh bon, je dois me remettre au travail. Ça, ça va à la poubelle. Et maintenant les vêtements? Ah, et je me détends. C'est mon moment à moi. J'en ai marre! Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Je veux aller à cette soirée, mais je ne peux pas y aller habillée comme ça! C'est trop injuste! Qu'est-ce qu'il y a, Mathieu? Il y a une soirée! Regardez! Je dois faire quelque chose. Ça y est, j'ai la solution. C'est l'heure de la séance relooking. Un relooking? Ne bouge pas! Ton nouveau look sera mon chef-d'œuvre. On va t'enlever ça. Ça me paraît bien. Voilà! Ah, j'adore! Oh, tu es trop gentille et tu es magnifique! Super! Salut les filles! Oh, regardez Mathieu! Waouh! Salut! On danse? La classe, Mathieu! Un corps sain dans un esprit sain! C'est pour mon bien! Je suis une machine! Oh oui, ça fait du bien! Quelle séance intense! Hé! Waouh! T'es trop forte! Moi aussi, je suis fort! Pas si vite! Enfile ça d'abord! Ça marche! C'est bien comme ça! Parfait! Youhou! C'est parti! Je vais déjà faire du cerceau! Regarde! D'accord, je réessaye. Tout est dans le coup de rein. Waouh! Que dis-tu de ça? C'est génial! C'est trop facile. Allô? Oui, un défi, s'il vous plaît? Ça alors! Et ça, qu'en dis-tu? Ça
ça, c'est quelque chose d'un peu différent. Je vais essayer quelque chose. C'est beaucoup trop lourd. Tu peux m'aider? Regarde-moi, j'y arrive bien. Ça fait mal, mais j'ai du muscle. Ça a l'air cool, ça. Trop lourd. Je ne peux pas la soulever. Attention! Tu m'as presque écrasé les orteils. Tu devrais me redonner ça. Pour ceux qui s'appellent Musclor, ça va, mais bon, il faut du temps et de l'entraînement. Waouh! Hein? On va jouer? Le voilà! Bien lancé! Attrape! Ouf! D'accord, et celui-là, essaye de l'attraper! C'était censé me faire mal? Ok, tu veux jouer à ça alors? C'était un accident! Promis! C'est parti! Ne bouge pas! Attends! Attends! Non! C'était pas sympa! Jouons plutôt au ping-pong! Allez, on va rendre ça plus excitant! Plus vite! De l'autre côté! Gagné! Ah, quel temps magnifique! Je ferais bien de mettre un peu de crème. Je ne voudrais pas prendre de coup de soleil. Oh, je n'arrive pas à faire le dos. Oh, j'ai une idée. Eh, vous pourriez m'aider? D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Me mettre de la crème dans le dos? Non, je ne peux pas faire ça. Bien, je vais me débrouiller toute seule. Vous êtes dingue! On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je dépose un peu de crème sur le rouleau. Et je l'applique sur mon dos. C'est assez agréable. C'est comme un petit massage. Et voilà, c'est fait. Waouh, c'est une super idée. Il est temps de faire mon bronzage. Waouh, c'était un atterrissage chaotique. Ah! Reviens ici! C'est ça, la Terre? On se croirait dans un film! C'est génial! Je vais un peu explorer. Laissez-moi tranquille! C'est parti. Mais avant, dansons un peu. Oh yeah! Au secours! Regarde comme je bouge bien. Oh, que c'est beau! Waouh! Ah, arrêtez! Je suis innocent! Oui, oui, j'ai déjà entendu ça. Arrête-toi! Je n'en peux plus! Jamais! Je t'ai dit de t'arrêter! Il faut que je fasse une pause! Je n'ai pas fait de cardio depuis très longtemps! Vous ne m'attraperez jamais! Oh, tu vas bientôt connaître les problèmes! Les terriens sont bizarres. Où est-ce qu'il est passé? Par là! C'est peut-être un fantôme? Hein? C'était quoi? Je n'aime pas ça. Il y a quelque chose de bizarre ici. C'est comme s'il avait disparu. Viens, continuons! Heureusement qu'ils n'ont pas regardé en l'air. Ah ah! Un indice. C'est ce que je pensais. Ça provient d'un arbre. Suis-moi! Aouh! Ah! Ma jambe! Ça fait mal! Ah! Ne t'inquiète pas, Terrien. Prends ça. Ok. Enroule-le autour de ta jambe. Ah, ça va déjà mieux. Merci! Oh, oh! Oh non! Je te tiens! Wow! Est-ce que c'est un alien? Ça roule. Qu'est-ce qu'on fait?
Maintenant, on danse. Eh, ce son est sympa. C'est entraînant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il se passe? Laisse-toi porter, je me sens tellement vivant. Oh yeah, j'adore. Retiens-moi. Oh non, regarde. Cours. Il faut les rattraper. Allez. Ça fait du bien de passer du temps dehors. C'est génial, non? On devrait faire ça plus souvent. Je sens que je ne fais qu'un avec la nature. Est-ce que tu entends ça? Qu'est-ce que c'est? De la viande fraîche. Alex, j'ai peur. Vite, dans la tente. Nous allons faire un festin. Je déteste le camping. Regarde. C'est joli. C'est qui eux? Où est-ce qu'ils sont partis? Oh non, je ne peux pas voir ça! Qu'est-ce que c'est? Berk, ça ne sent pas bon. Mais ça a bon goût. Oh, ils sont en train de manger mes baskets! Il y a quelque chose là-dedans. Ah! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je t'en prie, fais quelque chose! Imagine qu'ils rentrent dans la tente! Oh, miam! Ah! Donne-moi ça! Non! Lâchez-le! Lâche, je te dis! Ah! C'est la fin! Oh! Lâche! Mon précieux! Oh! C'est liquide! Merde! C'est agréable, n'empêche! Waouh! Regarde! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde comme je suis belle! J'en veux! C'est à moi! C'est quoi? Je l'ai! Prends un tube de dentifrice vide et coupe juste le dessous du bouchon. Ensuite, prends un ballon. Découpe la languette. Et glisse le reste du ballon par-dessus le tube de dentifrice. Comme ceci. Retire le bouchon du tube de dentifrice. Et à l'aide d'une seringue, extrais un peu de savon. Ça sera plus facile comme ça. Toujours à l'aide de la seringue, injecte le savon dans le ballon. Remets le bouchon en place. Regarde ce que j'ai. Waouh, c'est génial! Cette journée a été productive. Et si on rentrait? Je crois qu'ils sont partis. Regarde, nos affaires! Rentrons à la maison! Bonne idée. C'est génial! Quelle belle journée! Hein? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Allez, viens, l'eau est bonne! Non! Bon, d'accord. Tant pis. On peut aller se baigner. Allez, ça va être sympa. On va voir tout plein de poissons. Non, hors de question. Oh, j'ai une idée. Il est temps de prendre les choses en main. L'emplacement semble idéal. C'est parti. C'est dur. Mais il faut qu'on le fasse. On avance bien. Je pense que c'est bon. Parfait. Étale la bâche en plastique. Arrête tes bêtises. Allez, 1, 2, 3. C'est bon, la bâche est en place. Je pense qu'on peut y aller. Waouh, génial. Viens, on va prendre de l'eau. Ça y est, notre piscine est prête. On a réussi, on a une piscine rien qu'à nous. Youpi! Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Hé, attention! Non! Arrête! Qu'est-ce qu'ils font? Oh, les enfants! Quelle journée! Ah, il fait une de ces chaleurs. J'ai besoin d'air frais. Je vais mettre un peu la clim. Ça ne marche pas. Oh, que c'est agaçant. Oh, je transpire tellement. Oh, c'est dégoûtant. Bon, je vais appeler quelqu'un. Allô?
J'aurai besoin de vos services. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Pourriez-vous réparer ma clim? Bien sûr, ne bougez pas. Je m'en occupe. Oups, j'avais complètement oublié. Il faut que j'achète des outils. Est-ce qu'il y a un problème? Aucun. Je reviens tout de suite. Hé! Ah ah! C'est pile ce dont j'ai besoin. Ce pot sera parfait. Je vais garder quelques bonbons pour plus tard. Je vais aussi prendre ce chiffon. Je le passe sous l'eau. Il faut qu'il soit totalement imbibé. Comme ça, ça ira. Maintenant, je le plie. Puis je le roule. Et je le mets dans le bocal. J'en ajoute une ou deux. Hein? C'est quoi ça? Vous allez réparer ma clim ou pas? Madame, laissez faire l'expert. Il fait tellement chaud. Je vais m'évanouir. On met le tout au congèle. Et on attend. Ça devrait être bon. Je vais les sortir du congèle. Il est temps de se rafraîchir. Madame? Ça c'est bizarre. Oh, vous êtes encore là? Prenez ça. C'est n'importe quoi! Mettez-le sur votre front. Oh, ça fait du bien! C'est super rafraîchissant! Tout travail mérite salaire. Vous permettez? Ça fera l'affaire. D'accord, très bien. Je n'ai fait que mon travail. Bonne journée. Ah, je suis tellement détendue. Il n'y a que moi et mes pensées. Hein? Waouh, une sirène! Salut! Salut. Waouh, tu es la femme de mes rêves. C'est adorable. D'accord. Oh! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en occupe. Si ton crush a un petit souci d'hygiène dentaire, pas de panique. Tout ce dont tu as besoin, c'est un rouge à lèvres. Retire le rouge à lèvres du tube, puis prends une brosse à dents et coupe-la sous la brosse. Ensuite, mets de la colle dans le tube de rouge à lèvres. Il faut bien le remplir. Puis, mets la tête de la brosse à dents dans le tube. Ça devrait faire l'affaire. Tiens, essaye ça. Comme ça, tu auras une haleine fraîche et mentholée. Et après, on pourra s'embrasser. Hé! Pourquoi elle est partie? Oh non, j'ai tout gâché. C'est trop génial! Pas d'écran avant de dormir. C'est pas juste. Maman ne me trouvera jamais ici. Tous les soirs, c'est la même chose. Oh, maman! Donne-moi ça. Je pensais que ça allait marcher. Qu'est-ce qu'il fait cette fois? Ça suffit, Alex! Je commence à en avoir marre. Oh! On peut en discuter? Non, donne-moi tout ça. Et le reste. Mais maman! Tiens! Tout le reste. Sérieusement? D'accord. Il faut que je prenne mon propre appart. Maman me gâche tout le temps la vie. Hein? Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas celle-là. Combien tu en as? J'adore la technologie. Maintenant au lit. Ouais, dans tes rêves. J'ai toujours une longueur d'avance. Oh, j'ai une idée. Je vais le coller au dos de la chaise. Oh, maman revient. Soyons naturels, elle ne se doute de rien. Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, regardez-moi ça. Pardon de t'avoir dérangé. J'adore cette chaîne. Il y a toujours des vidéos géniales. Ah, c'est l'heure du petit pissou. Je ne peux plus me retenir. Ah, ça fait du bien. Oui, c'est marrant. J'aime quand ça éclabousse. Oups, je l'ai manqué cette fois. Waouh, j'ai touché le plafond. Piou piou. Sans les mains. J'aurais pas dû boire ce deuxième soda. Je vais aider maman en arrosant les plantes. Bois, petit bonhomme. Oh, en plein dans le mille. C'est génial. Et voilà, je vais tirer la chasse. Il ne faut pas que j'oublie de me laver les mains. Bof, tant pis. Alex, qu'est-ce que tu fais? Va te laver les mains. Toutes propres. C'est bien. Oh, non! Que s'est-il passé ici?
S'il te plaît, dis-moi que c'est de l'eau. Alex, c'est toi qui as fait ça? Ouais, fallait que j'aille aux toilettes. Oh, je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Je peux peut-être arranger ça. Oh, il est temps de faire un brin de shopping. Pile ce qu'il me faut. Waouh, le service est épatant. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est tes propres toilettes. Oh, génial! C'est parti! Oh, vas-y, je ne regarde pas. Waouh! Maman, j'ai fini! C'est bien! Je te félicite! La 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 la! Oh, salut! C'est très distrayant! Prête pour la fête! Bouh! Donne-moi ça! Est-ce que tu pourrais arrêter de m'embêter? Est-ce que je peux venir avec toi? Certainement pas! Oh, tu n'es pas marrante! Oh, j'aime bien ces chaussures! J'ai dit non, arrête ça! Mais je les veux! Oh, je crois que j'ai une idée! Regarde ce que j'ai là! Quoi encore? Ça peut toujours servir, on ne sait jamais! Oh, pas mal! Encore une ou deux? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh, j'ai dû m'endormir sans faire attention! Je m'en fiche! Hein? J'étais sûre que ça marcherait! Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, attends voir! Ah ah! Hein? Où est-ce que tu as eu ça? Je suis une photographe en herbe! Je sais reconnaître une bonne occasion! Attends! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ah, ça fait du bien! Je ne pouvais plus attendre! Ah ah! Génial! C'est quoi ce bruit? Ellie? Arrête ça tout de suite! Tu m'entends? Je te préviens, ça va barder! Oups, je file! Tu es vraiment bizarre! Tu le sais, ça? Bon, très bien, tu peux prendre les chaussures! Oui, je savais bien que ça marcherait! Et ne marche pas si vite! Tu restes ici, d'accord? Et ne me fous pas la honte! Salut, je peux avoir un verre? Je t'en prie! Qu'est-ce qu'il se passe? Bouh! Ah! Au secours, Mickey! Oh, qu'est-ce que tu as fait? Je n'y crois pas! Oh là là, il faut que je publie ça! Désolée, je ne l'ai pas fait exprès! On s'en va, maintenant! Tiens, 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 qu'est-ce que fabrique Mickey? Waouh, mes cheveux sont super beaux! Ouais, je vais lui faire peur! Grrr! Hein? Donne-moi le trésor! Je n'ai pas le temps de jouer à tes jeux stupides. Je vais me prendre en photo. Oh oui, je peux venir? Mais pousse-toi! Pourquoi est-ce que tu es toujours aussi collante? Oh, c'est déjà l'heure? Et si on jouait à cache-cache? 1, 2, 3... Vite, il faut que je me cache! Aïe! Oups, mon chausson! Et si je me cachais là? Non. Dans l'armoire! Elle ne me trouvera jamais! Oh, il y a un truc à l'intérieur! On peut devenir amis! Son tiroir à sous-vêtements ne sent vraiment pas bon. Ah, j'ai trouvé! Je vais me cacher sous le lit. Chut, ne lui dis rien. Est-ce qu'elle est partie? Génial! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hey, j'essaye de dormir, moi. Tremblement de terre! Attends une seconde! Que la fête commence! Oh non! Oh génial! On fait une fête des poupées! J'adore les fêtes de poupées! C'est quoi ce délire? Désolée! Grrr. On va l'attraper! Ha! Tu m'as raté! Prends ça! Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'attraper! Tu n'es pas Jake? Encore heureux! Salut les filles! Oui, c'est bien moi! Oh, je n'en reviens pas! Salut Justin! On se voit plus tard? J'espère bien que oui! Tu ne peux pas m'échapper! Ouille! C'est très embarrassant! Ma tête! Je vais avoir une bosse, c'est sûr! J'aurais aimé qu'il fasse attention à moi!
Lâche-le! Et attends, regarde! Mickey est toute seule! Quoi? Allez, viens, Jake! Qu'est-ce qui se passe? On aurait dû faire ça il y a un moment déjà! Qu'est-ce que vous fabriquez? On s'embrasse, chérie! Allez, fais comme moi! Tout mais pas ça! Ellie! Arrête enfin! Finalement, c'était pas si mal! J'ai hâte de raconter ça à ma maman! Waouh! Je suis la femme la plus heureuse du monde! Regarde, il a tes yeux! Bon, si Ellie peut le faire, je peux y arriver aussi! Quel est le pire qui puisse arriver? Une humiliation? C'est parti! Salut! C'est à moi que tu parles? Non, non, ça n'arrivera jamais! Ah, mais... qu'est-ce que j'ai fait de mal? Waouh! On sera ensemble pour toute la vie! Je m'ennuie! Oh, j'ai une idée! Tiens, Mickey, prends ça! Non, je suis occupée, là! Tu n'es pas drôle! Qu'est-ce que... j'abandonne! Hé! Fais attention! Attends, je vais trouver autre chose! Ah, voilà! Là, ça va être amusant! Waouh! Ellie, ne jette pas mon maquillage! Je t'avais prévenue! Cette fois, ça va barder! Personne ne touche à mon maquillage! Oh oh! Attrape! En plein dans le mille! Je crois qu'il est temps que je m'en aille! Je ne crois pas, non! Je t'ai eu! Ah ah! Bon, écoute, on pourrait essayer de discuter! L'heure n'est plus à la discussion! Je suis en colère! Elle ne m'attrapera jamais! Non! J'aurais dû faire ça il y a bien longtemps! La revanche est un plat qui se mange froid! Ça chatouille! Stop! Arrête ou je vais le dire à maman! C'est bon, je me rends! Plus de chatouille! Bon, d'accord. Je veux bien faire une trêve. Oh! J'adore passer l'aspirateur, ça détend! Papa! Salut princesse, qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin d'aide avec tes cheveux? D'accord. C'est plus dur que ça en a l'air. Oups! Je ne comprends pas comment ça marche. Mais je sais comment fonctionne un aspirateur. Je vais mettre l'élastique au bout du tuyau de l'aspirateur. Et voilà, une queue de cheval parfaite! Merci papa, salut! Une journée bien remplie. C'est nul! Si seulement j'avais des nouveaux jouets! Je m'ennuie trop! Ah, il est temps que papa remédie à ça! Salut chérie, ça va? Non! Tu veux t'amuser un peu? Avec du scotch? Regarde ça! Je vais coller le scotch par terre! Avec une autre bande ici! Je n'ai plus besoin de ça! Comment tu trouves? C'est sympa! C'est quoi? Un circuit de course! Et je vais gagner! Jamais de la vie! J'ai la voiture la plus rapide! Prête? Ça va être facile! Je peux le faire! Et c'est parti! Allez, allez! On ne triche pas! C'est serré! Attention! Le train! Oh, je ne veux pas voir ça! Je pense qu'on va réussir à passer! Wow! T'as vu ça? Incroyable! C'était génial! On recommence! J'adore ce jeu! Tiens ton sac, mon amour! Bon voyage! Et ça, c'est pour toi! Ça a l'air plutôt facile! Tu me manques déjà! Au revoir! Oh, je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y avait autant de tâches ménagères! Au moins, la cuisine est propre. Ensuite, les devoirs de Gina. Trop facile! Oh, c'est une jolie peinture. Je devrais en faire mon métier. Comment tu trouves, Gina? Waouh, incroyable! Tiens! Et une nouvelle chose de faite. Merci, papa. Avec plaisir, ma chérie.
C'est l'heure d'aller se coucher. Oh, mais je n'ai pas sommeil. Trop mignonne. Ferme ses jolis yeux. Oui, c'est ça, c'est ma fille, chérie. Je n'arrive pas à dormir, papa. Oh, je sais. Tu veux que je te raconte une belle histoire? Oui, je veux bien. Bon, tu es bien installée? Alors je peux commencer. Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Gina, qui adorait l'avocat. Elle en mangeait tous les jours. Dis donc! Un jour, un méchant monstre a chassé l'avocat. J'ai peur, papa. Oh, pardon. C'est juste une histoire de rien du tout, ne t'inquiète pas. Tu préfères une berceuse? Oh, pourquoi pas? Va dormir, petite fille, repose ta tête. J'aime bien. Et solo! Ouais! Trop bien, papa! Wouh! Yeah! Écoute, je donne tout! C'est le meilleur coucher du monde! Je suis une rockstar! Rock'n'roll! Wouhou! Ouais! Rock'n'roll! Quoi? Non, retourne te coucher! Mais papa! Pardon, papa s'est laissé emporter. Il faut que tu dormes. Je crois que ça n'a pas marché. Ta mère saurait quoi faire. Attends une minute. Je sais! Oh, ma belle au bois dormant! Maman est là! Je suis un génie! Waouh, quel match! Un tir! Un but! Waouh, ça pue là-dessous! Je ferais mieux de me laver. C'est exactement ce qu'il me faut. Un bon bain moussant, ouais! Je fais couler de l'eau chaude. Maintenant, il manque plus que les bulles. Je n'ai qu'à entrer mon code secret. C'est parfait, ça! Ça sent bon les fruits. Il est vide. Je vais essayer celui-là. Non plus. Ok, celui-là alors. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Oh, on dirait des bulles. Oh, je voulais juste prendre un bon bain avec mon canard en plastique. Oh, comment je vais faire? Saleté de bulles. La vie est trop injuste. Oh, mon pauvre garçon qui sent mauvais, tu n'as pas mis de bulles dans ton bain? Et voilà! Oh non, ne sois pas bête! Attends, j'ai une idée! Je prends du sel de bain. Je mets un peu de colorant et je mélange les deux. Je verse la poudre dans le pop-it. J'étale bien pour remplir chaque rangée. Quand c'est fait, je le retourne et je décolle la poudre. Voilà une bombe de bain faite maison. T'inquiète pas, chérie, maman a sauvé ton bain. Maman, t'es la meilleure. Bon bain, mon cœur. C'est trop génial. C'est multicolore en plus. Essaye-le. Waouh, regarde un peu. C'est super joli. Oh, je suis pressé de rentrer dans la baignoire. Je fais la bombe. Ah. Amuse-toi bien et n'oublie pas de te frotter derrière les oreilles. J'adore les bulles. Et les pop-it aussi. Oh, tais-toi. Je ne veux pas encore me lever. Juste quelques minutes en plus, allez. Bon, je vais devoir sortir mes fesses de là. Oh, je me sens tellement fatigué. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi mes cheveux sont-ils si longs? Mec, ces mèches sont pas à moi. Attends, est-ce que j'ai... Oh, ils ne sont certainement pas à moi non plus. Oh! J'ai dû avoir le sommeil très profond cette nuit.
Je ferai mieux de commencer ma journée. Salut, petit bonhomme. Mes cheveux sont bien. Attends une minute. Ce n'est pas mon visage. Je dois être en plein cauchemar. Comment est-ce possible? Ah! Qu'on me rende mon corps! Oh mon Dieu! Ah! Mec, réveille-toi! C'est peut-être une bonne idée d'être inconscient. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui gratte sur mon menton? J'utilise tout le temps cette mousse sur mes jambes. J'en connais un qui va avoir une peau toute douce. Est-ce que mon rasoir habituel va fonctionner pour ça? Parce que je n'utilise pas celui de David. Je préfère le rose. Je n'ai jamais rasé un visage avant. Ah, ça fait vraiment mal. Je saigne déjà. Heureusement que j'ai de jolis pansements. Oh, ces jambes aussi pourraient être rasées. Et je suis l'homme de la situation. Elles vont être beaucoup mieux comme ça. Je ne sais pas comment David fait pour supporter tous ses poils. Qu'est-ce que tu es en train de faire à mes jambes? Passe ce rasoir, s'il te plaît. Oh, d'accord. Comment on écrit photosynthèse? Alors... Oh, satané cheveux! Attends. C'est à ça que servent les cheveux longs. Ah, mes cheveux sont bloqués dans les cordes. Je ne peux pas être rock comme ça. Ça a un goût original. Oh, maintenant j'ai des chips dans mes cheveux. Dégoûtant. Bon, il faut que je me dégage le visage. Ça peut le faire. C'est comme attacher des lacets. Voilà. Bon, ça n'a pas tenu longtemps. Ça suffit. J'en ai marre de ces mèches. Coupe, coupe. Qui a envie d'avoir des cheveux longs de toute façon? Quelqu'un veut se faire une frange? Oh, je me sens déjà plus léger. Qui eût cru que je pouvais être un bon coiffeur? Trop belle, mec! Oh mon Dieu! Ne me dis pas que tu les as coupés! Mes cheveux! Tu te rends compte comment c'est long de les faire pousser? Je suis foutu! Tout le monde va aux toilettes, pas vrai? Mais pas toujours de la même manière. On dirait que tu n'es pas dans le bon sens, mec. Eh bien, c'est une nouvelle expérience. Mais je veux m'asseoir. L'une des meilleures choses en soirée est de retrouver ses amis. Cette manicure est incroyable, Lily. Je crois qu'il est temps de donner un nouveau tournant à cette soirée. C'est parti. Tu veux danser? Je vais te montrer ce que c'est de se déhancher. Eh oui, Ellie. David... Faisant des pas dont lui seul a le secret. Waouh, regarde comme il ondule. Vas-y, David. Ouais, David. Ses hanches bougent toutes seules. Ses hanches bougent toutes seules. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne savais pas que mes fesses pouvaient faire ça. Rien de mieux que deux amis passant du temps ensemble. Oh mon Dieu! Ah, pas possible! Qu'est-ce qu'il y a? Jake veut me voir pour dîner. Tu sais ce qu'il se passe pendant les dîners? Il va m'embrasser! Comme ça! Tu dois y aller à ma place, s'il te plaît! Mais... Je... Ah! D'accord, je vais y aller. Tu es le meilleur de tous les amis! Blark! Oh non, pas possible, pas de maquillage.
Et puis c'est quoi tous ces trucs dont tu as besoin? Ah mon Dieu, comment est-ce qu'on se sert de ça? Je ne me suis jamais maquillée toute ma vie. Ça ne peut pas être si dur. J'en mets comme de la lotion, non? Ce n'est pas si mal. Je ferais mieux de m'occuper des yeux. Une petite touche de couleur devrait faire joli. Oh, Ellie, ne se maquille pas assez. Je n'ai pas envie d'effrayer mon rencard. Il va croire que je suis un clown. Vas-y, comme ça. C'est bien mieux, non? Reste immobile pendant encore une petite seconde. Tu es parfait. Et qu'est-ce qu'on fait pour les vêtements? Non. Le rouge n'est pas la couleur qui te va le mieux. Eh? Non, c'est horrible. C'est pas mal. Mais pourquoi est-ce que tu tiens ta jupe? C'est mieux. Ne fais rien que je ne ferai pas. Waouh, tu es sublime. Attends une seconde. Maintenant, je suis prête à manger. Une salade? Tu te moques de moi? Hé, madame! Je veux un sandwich. Un sandwich? Un sandwich? Oh, j'ai tellement envie d'un sandwich. C'est un cure-dent? Je suis super content qu'on passe enfin ce moment. Tes mains ont l'air tellement... Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh oui, que la fête commence! J'ai une faim de loup! Cette moutarde épicée est dingue! C'est plutôt bon! Oups! Tu as faim aussi? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Qu'est-ce qu'il regarde, celui-là? Qu'est-ce que je suis, un bout de viande? Râlez! Meurs, robot, meurs! Je vais forcément gagner, je le sens. J'y suis presque! Pardon, je fais juste un peu les poussières. Tu es obligé de faire ça maintenant? Tu veux bien arrêter? Ah! J'ai raté le dernier tir! 4 heures de jeu, tout ça pour rien. Ellie, tu vas bien? C'était juste un jeu. Ellie, non! Waouh, c'est incroyable! On va super vite! Ta-da! Regarde ce que je sais faire. Voilà des plantes pour tout le monde. Parce que les plantes, c'est trop mignon et ça apporte de la joie. Hé, hey, salut! Comment ça va? Vous voulez voir quelque chose? C'est parti! Enflammons-nous! Oh, j'adore le vent! C'est tellement beau! Laissez tomber les autres éléments, venez plutôt visiter l'océan. Ici, il y a des baleines, je ne plaisante pas. Voilà, vous nous connaissez tous. Ravie de vous rencontrer. Je ne veux pas aller au pôle Nord. Le charbon de bois est mon préféré. Il fait tellement froid, vous n'auriez pas de la glace par hasard? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, le soleil se lève, il est temps pour moi de faire de même! Allez, c'est parti! C'est l'heure de la photosynthèse! Merci pour le coup de main! Oh non, certainement pas! Je déteste le bruit du réveil, c'est agaçant! Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux! Oh, bonjour mon ami à plumes! Toi aussi, tu es debout avec le soleil? Tu chantes si bien! J'adore me réveiller au son de ta voix! Très bien, je pense qu'il est l'heure de sortir du lit! Je me demande ce que cette journée me réserve! Ce n'est pas vrai! J'ai dit que je restais au lit! Comment je suis supposée dormir avec un boucan pareil? Oh, bien, c'est bon, ça va! Je suis déjà debout! La 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 la! Du papier toilette? Non merci, j'ai bien mieux! Je n'arrive pas à croire que j'ai dû me lever! Quel gâchis de temps! Phew! Quel soulagement! Hein?
Il n'y a plus de papier toilette, le rouleau est vide. Bon, tant pis. Ah, l'hygiène buccale, c'est important. Voyons voir. Un peu de terre pour que mes dents restent belles et en bonne santé. La 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 la. Je suppose que je ferais mieux de me laver le visage ou quelque chose du genre. Génial. Là, on est d'accord. J'aime l'eau super chaude qui brûle le visage, vous voyez. Et si je préparais un bon jus pour le petit déjeuner? Cette orange bien mûre est parfaite. Oh, regardez tout ce bon jus bien frais. Et voilà, un grand verre de vitamines. Excellent. Bon, hors de question que je commence ma journée sans un café. Ouh, ça a l'air épicé. Je me permets. Trop top. Voilà, ça c'est ce que j'appelle des céréales. Pour les champions, rien de tel qu'un bon petit déjeuner bien relevé. Miam, un délice. Je vais faire descendre tout ça avec un peu de caféine. Bouillant, exactement comme je l'aime. Oh, je suis en train de battre mon propre corps. Et j'ai besoin d'aller aux toilettes. Je sors dans une minute. Quand j'aurai passé ce niveau. Ok, pense juste à des choses sèches, comme à un dessert. Tu as bientôt fini? Tu peux te dépêcher, s'il te plaît? Ça suffit! Je savais que tu étais en train de jouer sur ton téléphone. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Ne regarde pas! Sors de là, allez! Ah, elle abuse. Je vais lui faire payer ça. Hé, j'ai ça. C'est moi qui vais lui faire payer. Je vais étirer ce film plastique sur la cuvette des toilettes. Elle va regretter d'avoir utilisé ses pouvoirs pour faire irruption au WC comme ça. C'est fait. Maintenant, poussons cette farce à son paroxysme. Ce slime a l'air bien dégueu. C'est parfait. Elle va vraiment être dégoûtée. Ok, attention juste qu'il s'étale un peu. Ça se répand bien partout. Je suis un génie. Bah, même moi, je trouve ça dégoûtant alors que c'est moi qui fais la farce. Allez, que le spectacle commence! Oh! Tu as mis super longtemps à sortir! Je vais exploser! Oh, j'ai hâte de l'entendre crier! Oh mon Dieu! C'est crade! Oh, je crois que je vais vomir! Comment c'est possible un truc pareil? Je dois sortir d'ici! T'as complètement ruiné les toilettes! Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Il est juste trop mignon. Bah, non merci. Voyons voir, où est ce saladier déjà? Oh! Tu m'as fait peur? Tu deviens folle avec ton crush? Il est trop beau! On serait si bien ensemble, si seulement! Mouah, tu es tellement mignon! Tu fais quoi là? Je suis assise ici! Je rêve du jour où nous nous embrasserons enfin! Elle déraille complètement. Ça signifie qu'il est temps pour elle de recevoir une bonne leçon. Les blagues de toilette sont les meilleures et celle-ci tout particulièrement. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ce rouge à lèvres. Alors je vais dessiner des lèvres sur ma main, comme ça. Je dois mettre suffisamment de rouge à lèvres. Ses lèvres ont envie de faire de gros bisous. Sur le siège des toilettes. Ha ha ha, ça a l'air trop vrai. Encore une empreinte? Hé, viens voir ici. Je veux embrasser chaque centimètre carré de son visage. Tu peux me dire comment tu expliques ça? Quoi? Ça? Mais qui a embrassé le siège des toilettes? Eh bien, d'après cette photo, c'est toi. Souris! Regarde comme tu es belle sur cette photo! Il y a un emoji qui vomit! Tu vas me le payer! Bon, comment je suis? Les cheveux ça va, ma robe est jolie, je crois que je suis prête. Faut pas que j'oublie mon sac. Je vais les prévenir que je suis en chemin. Super, on va bien s'amuser. Attention, il ne faut pas qu'elle me voie. Le coca est en place. Il ne reste plus qu'à mettre les bonbons. Je les glisse dedans et attention, ça explose! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma robe est toute mouillée! Oh!
Hé, je me suis dit que t'avais peut-être un peu soif. À plus. Oh, je suis trempé. Oh non, je ne peux pas sortir comme ça. Nager m'a fait un bien fou. Je vais me doucher maintenant. Hé, salut. Salut. Je vais me laver les cheveux d'abord. Juste un peu de shampoing. La 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 la. J'ai une super idée. Je crois qu'elle en a pas mis assez. Je vais l'aider. Ça continue à mousser. Bon, bah, il n'y a plus qu'à rincer un peu plus. Elle se lave toujours les cheveux. Mais pourquoi ça veut pas partir? Quoi? Oh, pourquoi? Et encore un petit peu. Faut que ça soit bien propre. Encore? Ce shampoing est complètement fou. Ah! Et maintenant, je ferme l'eau. Salut! Qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Oh, j'y vois rien. Au secours! J'ai besoin d'eau. Tiens! Je crois que tout est parti. Pas besoin de me remercier. Viens ici! Je file. Oh! Tu l'as bien mérité. C'était rigolo, pas vrai? Ouais, c'était marrant. Il faut que j'améliore mon bronzage. Je vais mettre un peu de crème. Tout est bien calme ici. Tant mieux. Faut bien en mettre partout. Tiens, tiens, exactement au bon endroit. Quelle journée relaxante, j'en avais besoin. Ce serait dommage que son après-midi tourne mal. Par ici la crème. Qu'est-ce que j'entends? Y a quelqu'un? Ça devait être dans ma tête. Ah. Je l'ai. J'ai juste à y ajouter quelque chose de spécial. Des vers de terre. Burk, dégoûtant. Parfait. Entrez là-dedans, les amis. J'ai plus besoin de ça. Faut pas oublier de bien mélanger. C'est prêt. Super, elle s'est endormie. J'ai plus qu'à remettre la crème sur la table. Ce camouflage est parfait. Je suis une plante qui marche. Aïe! Oh, qui a mis ça ici? Ça fait mal. Ma peau commence à chauffer. Je ferais mieux de mettre un peu de crème. Hein? Il y a quelque chose là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est? Un verre! Je t'ai eu! Surprise! Youhou! Ça va? C'était juste une blague. Réveille-toi, réveille-toi! Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je suis trop beau pour aller en prison! Oh, regarde, un autre verre. Ah! Ouf, je croyais que tu... Enfin, tant mieux. T'as eu peur d'un petit verre de terre? Quoi? Moi? Non, pas du tout. Ce sandwich a l'air délicieux. Je vais m'asseoir ici pour le manger. C'est l'heure de la revanche. J'ai juste à me glisser là-dessous. Je vais nouer ces chaussures ensemble. J'y suis presque. Voilà, il n'a rien vu. Et maintenant, il faut qu'il se lève. Je prends ça. Viens le chercher. Donne-moi ça. Oh, oh, oh! Je me vengerai! Je me suis dit que tu voudrais peut-être un peu d'eau avec ton sandwich. Salut! Attends voir... La voilà! Ce livre est barbant! La belle au bois dormant! On ne bouge plus! Un peu de scotch ici! Ne te réveille pas par pitié! Faut que je fasse vite! Là! Est-ce que j'en ai trop mis? Non, ça va! Tiens, regarde, un seau plein d'eau froide. On se réveille, c'est le matin. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ce que j'ai. Tu n'oseras pas. Non, je t'en supplie. C'est parti. Regarde, il neige. Encore un peu. Tu es si jolie, faut que je fasse une photo. On sourit. Et maintenant, je la publie. Sérieux, ça te va super bien. Tiens, mais c'est... Oui, il dort. Je vais pouvoir prendre ma revanche. Et je sais exactement quoi faire.
Hein? Il dort toujours? Réfléchissons. Je sais. Cette branche va m'être utile. Gilly, gilly, gilly! Rien? Ah, ça alors, il dort vraiment comme une bûche. Essayons autre chose. Oh, super lourd! Il faut qu'on fasse un petit régime, mon gars! Allez! Ouf, faut vraiment que je me mette au sport. Je vais y arriver. Non, j'y arrive pas! Oh, mais combien tu pèses? Hé, ça va? T'as besoin d'aide? Oh, super! Approchez! Compris? Compris! 1, 2, 3! Mais vous êtes folle ou quoi? Merci, les filles! Une super journée pour faire les magasins! Oh, elle arrive! Vite, mon masque! Ah, si tu te voyais, c'est moi! Je te déteste! Je te déteste! Une journée tranquille au bord de la piscine. Exactement ce qu'il me fallait. Hé, salut! Oh mon Dieu! Ah, au secours! J'arrive pas à croire que ça a encore marché. Arrête, c'est pas drôle! Enfin seul, il ne pourra jamais m'embêter ici. Tu ne pourras jamais m'échapper. Ça suffit, je rentre chez moi. Quelle journée! J'ai réussi à la surprendre plein de fois. Il faut que je partage ça. Quelle rigolade. Allô? Tu sais quoi? Ouais, je me suis caché derrière le mur si t'avais vu sa tête. Tiens, mais que voilà! Et ensuite, je lui ai fait peur dans l'eau. Trop marrant! Ah, encore une belle journée. Oh, je ne sens pas très bon. Je ferais mieux de me changer. Au secours! Oh, ce n'est que le masque. Je me demandais où il était passé. Bouh! Maman, à l'aide! Pitié, ne me faites pas de mal! On rigole moins maintenant, hein? J'adore ce masque. Je le déteste. Oh, j'ai besoin d'une douche. Waouh! Elle est waouh! Regarde celle-ci! Chut! Salut les filles! Ça vous dit d'aller faire un tour? C'est à nous qu'elle parle? Viens, on s'en va! Vite! Entre là-dedans! Ce n'était pas très gentil! J'essayais juste d'être sympa! Qu'est-ce qu'elles fabriquent là-dedans? Ça fait un moment qu'elles sont entrées! Je peux peut-être écouter! C'est vraiment génial! Accroche-toi! Est-ce qu'elles se sont fait aspirer? Mandy? Nikki? Où est-ce qu'elles sont passées? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'était pas là avant! Qu'est-ce que ça fait si j'appuie là? Pas assez joli! Ce n'est pas juste! Attends voir! Waouh! J'ai une idée! Il est temps de faire peau neuve! Je vais commencer par retirer mes lunettes et bien nettoyer mon visage. Waouh! Ces lingettes sont géniales! Maintenant, je vais redessiner mes sourcils. Ils auront l'air plus fournis et plus naturels. Pas mal du tout! Maintenant, je vais mettre un peu de fard à paupières. Je préfère utiliser des couleurs pas trop voyantes. Des faux cils permettront de souligner mon regard. Encore un peu de maquillage juste ici. Un peu de fond de teint sur mes joues et sur mon nez. Et je vais l'étaler facilement avec cette éponge à maquillage. Et pour finir, un peu de blush. Sans oublier le rouge à lèvres. Encore une fois, je préfère une couleur claire pour un look naturel. Ces boucles d'oreilles ajouteront une petite touche glamour. Et enfin, je vais détacher mes cheveux. Ce n'est que mon avis, mais je me trouve jolie. C'est parti, je retente ma chance. J'espère que ça va marcher. Waouh, tu peux entrer. C'est ce que je pensais. J'espère que ça ne va pas me décoiffer. Cette fête est géniale. C'est toi, Jennifer? Waouh, viens, on prend une photo. Coucou, Jen. Bonjour, Aggie Waggie. Voici Monsieur Licorne.
C'est nul. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Salut, toi! Oui, c'est à toi que je parle. Tes cheveux sont sales et mal coiffés. Tout comme elle. Burke, c'est gênant. Oui, c'est vrai que ça l'est. Vous rêvez d'une nouvelle coiffure audacieuse? J'ai ce qu'il vous faut. Une mini brosse coiffante. C'est nouveau, c'est chic, c'est beau. Waouh! C'est comme une baguette magique, mais pour les cheveux. Ça fonctionne sur tous les types de cheveux. Du moment que vous en avez, cet outil saura les coiffer. Tenez, essayez. Oh, d'accord. Et regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est génial! Dites adieu aux cheveux mal coiffés. Waouh, c'est incroyable! Et tellement facile à utiliser. Oh! Où étais-tu tout ce temps? Voici votre nouveau coiffeur personnel. Maman, prends-en un! Et ce n'est pas tout! Dynamisez votre coiffure avec ses accessoires! C'est incroyable! Ne laissez pas passer une telle occasion! Appelez-nous tout de suite! Waouh, j'ai l'impression d'être une princesse! Qu'est-ce qui se passe? Viens par là! Ne bouge plus! J'ai un œuf et un tournevis. Là, je vais simplement faire un trou de chaque côté de l'œuf. C'est bon, maintenant on souffle. Oui, j'ai enlevé tout le contenu de l'œuf. Je peux faire ma blague maintenant. Zoé! Hé, regarde ce que je sais faire. Tiens, tu veux essayer? Ah, quoi? Ça me dégoûte. Si tu avais vu la tête que tu as faite. J'adore les frites et le ketchup. C'est clair, c'est parfait pour calmer une petite fringale. J'ai fini. Je ferais mieux de laver mon assiette. Allez, c'est parti pour frotter. C'était ma dernière. Trop bon. Tiens, mon assiette. Merci d'être sympa et de laver la mienne avec. Hé, hey, j'ai dit que je laverais ton assiette. Ah, d'accord, si tu veux. Hein? C'est quoi tout ça? Je me retrouve à faire toute la vaisselle maintenant. Oh, je crois que j'ai une super idée. C'est l'heure d'ouvrir la boîte d'insectes. Ça va être génial. Tu sais quoi? Je vais tout faire sortir. Des insectes partout. Et maintenant, je m'en vais tranquillement. Désolé, je ne peux pas finir la vaisselle. Il faut que j'y aille. Je ferais mieux de trouver une bonne cachette pour la voir se faire piéger. Oh là là, je n'ai pas envie de faire toute cette vaisselle. Autant que je m'y mette tout de suite. Un cafard? Un cafard? Il y a un cafard! Il y a... Des bêtes? Des bêtes partout! Qu'est-ce que je suis censé faire? Hé! Hey, attends une seconde! C'est un faux cafard! Hé, hey, je t'ai vu là-bas! Très drôle! Oh, pardon, je dois y aller! Non, ne lui donne pas l'ananas! C'est ce dont il a envie! Hé, hey, Jake! Réveille-toi! Hein? Quoi? Quelqu'un m'a appelé? Tu veux m'aider à faire le ménage? Écoute, il faut juste que tu arroses cette plante, celle qui ressemble à un arbre là-bas. Oh, je n'ai pas envie de bouger un orteil. Hé, hey, il y a un ballon juste là? Oui, c'est sûr que ça va marcher. Il suffit d'accrocher le ballon au bout de l'arrosoir et de verser l'eau. En voilà une belle bombe à eau. Et maintenant, l'installation du piège. Salut, Ellie! Regarde, j'arrose la plante! C'est bien! Hé! Hey. Attends un instant! Ah, je l'arrose trop bien! Brr! Jake, c'est répugnant! Regarde, c'était juste une bombe à eau! Eh ben, si t'as le temps de faire des blagues, tu as aussi le temps de nettoyer! Ah, d'accord! Mais bon, ça valait le coup. J'ai des cornets de crème glacée pour toutes les deux. Wow,
tu manges le tien super vite. Oh, je peux en avoir un peu du tien? Mais non, tu en as déjà eu un, c'est le mien. Phew, je ne pense pas qu'elle puisse me trouver ici. Je vais pouvoir savourer mon cornet. Je vais jeter un œil à mon portable en même temps. Les voilà, son cornet. Elle est distraite, c'est l'occasion ou jamais. Hein? Hé, hey, c'est à moi. Tu as tout mangé. Oh, Zoé, tu vas le regretter. Elle mange mon cornet et en plus, elle m'en met sur le visage. Oh, de la mousse à raser. Ça me donne une idée. Elle mérite une bonne leçon. Et voilà, ça ressemble à de la crème glacée. C'est sûr que ça va marcher. Cible repérée, lancement du piège. Ok, je dois juste faire semblant de recevoir un appel. Oh, elle a un nouveau cornet. Vite! Ça fonctionne, elle tombe dans le panneau. Oui! Elle l'a fait, elle en a pris une bouchée. Ouah, le goût est bizarre. Tu n'as que ce que tu mérites. J'espère que tu aimes la mousse à raser. Berk, c'était trop méchant. Oh, arrête de pleurer, tu l'as mérité. Tiens, du chocolat. Oh, une barre de chocolat. Oui, j'en veux. Tout est pardonné. Ce chocolat chaud aurait bien besoin de crème chantilly. Juste la quantité parfaite. Oh, dis donc, ça donne trop envie. Quelques chamallows ne peuvent pas faire de mal. Hé, n'imagine même pas que tu vas me voler ça. Oui, elle est partie. C'est l'occasion rêvée. Ça sent bon le chocolat. Ah, c'est diablement bon. Hein? Pas possible, elle a tout bu. Ah, t'es vraiment grave. Maintenant, je vais devoir m'en refaire un. Ou peut-être que... c'est le moment de me venger. Rempli à ras-bord, et maintenant je pose l'assiette dessus. Parfait. Il faut juste que je retourne la tasse délicatement. J'ai hâte de voir sa tête. C'est la crème chantilly qui va vraiment permettre de faire illusion. Et sans oublier les chamallows. C'est trop joli. Dommage que ce ne soit pas un vrai chocolat chaud. Et on dit oui au vermicelle, elle ne pourra pas résister. C'est le moment d'admirer ma vengeance. Hé, j'en ai fait un exprès pour toi. Oh, mais non, merci. C'est parti. Oui, ça a fonctionné. Elle est tombée dans le piège. Ah, je me suis mis du lait partout. C'est quoi ce truc? Oh, c'est le moment de partir. Qu'est-ce que j'ai mal dormi? Regardez-moi cette tête. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Il ne me reste plus que la touche finale. Zoé, dépêche-toi. Ah, mon maquillage, tout est gâché. Hé, pourquoi tu tapes à la porte comme ça? Tu vas devoir attendre. Ouf, comment je répare ça? Bon, ça a fonctionné. Je peux continuer. Oh, d'où ça vient, ça? Oh, je viens d'avoir une idée de piège interstellaire. Première étape, prendre le pommeau de douche. Deuxième étape, verser toutes les paillettes à l'intérieur. Troisième étape, faire comme si de rien n'était. C'est bon, la salle de bain est libre. Ça va faire un bien fou. J'ai vraiment besoin de cette douche. Rien de mieux qu'une bonne douche pour se réveiller. Oh, j'entends le bruit de la douche. Maintenant, il ne me reste plus qu'à entendre le cri. Hein? Quoi? Je suis verte! Je suis toute verte! Oh, j'adore les bois, mais je suis heureux d'avoir mon téléphone. Oh! Oh, je ne me sens pas bien. Je dois aller aux toilettes. Tout de suite! Oh non! Des abeilles!
Je dois trouver un autre endroit. Non, 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 non. Peut-être par là? Oh, ce chemin me fait un peu peur. Non, je vais ailleurs. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un seau, une lunette de toilette et un sac plastique. Je ne comprends vraiment pas ce qu'elle fait. Ce sont des toilettes! Il me les faut! Va-t'en d'ici! C'est une urgence! Oh, oh, Dieu merci! Oh, ça fait du bien! J'ai tout juste survécu à cette terrible épreuve! Heureusement, j'ai pu trouver la terre ferme! Me traîner jusqu'à la plage était presque mission impossible! Oh, mais j'ai réussi! Au prix d'une grande fatigue! Mais je ne savais pas trop où j'étais. Sur une plage, oui, mais où? Et là-bas, presque à l'horizon, passait un navire de croisière. J'ai crié et appelé au secours, mais en vain. J'étais prisonnier de cette plage tortueuse et j'étais tout seul. Et par-dessus tout, je mourais de faim. Que pouvais-je manger? Le ciel avait-il entendu mes prières? Une valise échouée sur la plage? La chance me souriait peut-être enfin. C'était l'une de ces valises étanches. Un très joli bagage. J'étais persuadé que cette valise me sauverait. Mais j'avais tort. Il n'y avait que des bikinis à l'intérieur. De l'huile pour le corps aussi. Et une cuillère. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas à qui était cette valise, mais il y avait de drôles de choses à l'intérieur. Mais ces drôles de choses allaient me sauver la vie. J'ai mis d'abord de l'huile dans la cuillère. Puis j'ai ajouté du sucre dans l'huile. Avec une brindille, j'ai fait un bâton. Et là, je peux faire fondre le tout. Je n'ai jamais senti une si bonne odeur. Lorsqu'on meurt de faim, même la plus simple des friandises devient un plat de roi. Et me voilà. Ah mec, c'est ridicule, t'en rajoutes beaucoup. C'est vrai, c'est la vérité, je le jure. Bon, peu importe, riez si ça vous chante. Allez, plus vite! Je ferais bien de boire un coup pour m'occuper dans les bouchons. Je déteste l'heure de pointe. Ah, oh, quelle erreur j'ai fait de partir maintenant. Oh, je vais être tellement en retard. Et je n'aime pas ça. Bon, au moins je n'ai plus soif du tout. Oh non! Oh, ce n'est pas le moment. Je dois aller aux toilettes. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Mais je crois que j'ai une idée. Je découpe le bouchon. Maintenant, il me faut du ruban mousse. J'ai juste à enlever le papier. Et autour du bouchon. Le ruban mousse doit être placé autour du bord extérieur. À présent, faisons un trou dans le bouchon. J'ai bien fait de prendre tout ça avec moi en voiture. Voilà. Maintenant, je fais un petit trou dans mon sous-vêtement. C'est parfait. Pas trop gros. Et le bouchon devrait parfaitement rentrer dans le trou. Ensuite, un tube. Il devrait rentrer pile poil dans le trou que j'ai fait. Parfait, j'ai enfin fini. Super, maintenant sortons le tube par la fenêtre. Oh, mon Dieu. Ah oui, que ça fait du bien. Ouh, ça a super bien marché. Oh, quelle bonne nuit de sommeil. Waouh, le camping, c'est tellement reposant. Oh, j'ai mauvaise haleine. Je devrais sortir de la tente. Alors, où j'ai mis ma brosse à dents? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh non! Mon dentifrice est totalement foutu! Comment ça a bien pu arriver? J'adore me balader dans la nature. Oh! Ouch! Ah oui, je suis tombé. Ceci explique cela. Bon, je ne peux rien faire de toute façon. Mais il y en a vraiment partout. Hé, hey, tu peux te servir de ça. Oh, tu ne comprends pas, laisse-moi t'expliquer. J'ai pris un pop-it et du dentifrice. Et j'ai mis une petite dose de dentifrice dans chaque trou. J'ai rempli entièrement le pop-it. Et après, j'ai pris du bicarbonate de soude. Et j'en ai saupoudré sur tout le dentifrice. Le bicarbonate de soude peut aussi servir à se laver les dents. Vas-y, serre-toi.
D'accord, alors... Oh, ça a le goût de menthe. Brossage activé. Mais c'est vraiment génial. Ça marche pour de vrai. Hey, merci beaucoup. J'apprécie vraiment ton aide. Pas de souci. L'hygiène dentaire, c'est important. Ah, ce niveau est vraiment trop dur. J'arrive pas à le dépasser. Du coca, bien sûr. Ok, on peut faire nos sacs. Mais qu'est-ce que... Tout ça n'est pas encore rangé. Hey, David! Tu devrais faire ton sac. Au travail! Oh, d'accord, c'est bon. Où est mon sac à dos? J'ai presque réussi ce niveau, par contre. Je vais fourrer ça dans mon sac à dos. Ça, et ça, et ça aussi. Sans oublier la serviette qu'elle m'a balancée. Oh zut, j'ai raté ce niveau. Je ferais bien de finir mon sac. Hé, hey, tu as fini de faire ton sac? C'est parti! Ça me va, je suis prêt alors. Ah, ça a l'air cool comme endroit, non? Oui, installons-nous. Les pique-niques, c'est toujours trop chouette. C'est bon, voilà les assiettes. Les coca. Et les cuillères. Comment oublier? David, et le couteau alors? Oh, le couteau. Oui, je l'ai rangé. Il n'est pas là. Oh, je ne peux pas te faire confiance. Tu ne fais rien comme il faut. Attends un peu. J'ai une idée. Une carte de crédit. Tu vas faire quoi avec ça? Regarde et admire. T'as vu? C'est comme un couteau. Et tu coupes la peau. Et voilà! La pastèque est coupée en deux. Waouh! Très impressionnant, David! Cette pastèque a l'air vraiment délicieuse. Quelle super façon de passer l'après-midi. Oh, j'en viens pas qu'il pleuve autant dehors. Oh, je suis trempé jusqu'aux os. Et plein de boue aussi. Bon, je suis dégoûtante maintenant. Waouh, on a vraiment un temps de chien, hein? Je suis trempé. Et pourquoi tes chaussures sont si sèches? Ah oui, elles le sont. Je vais te dire comment j'ai fait. J'ai pris mes chaussures et puis une bougie. Et je les ai frottées avec. J'ai fait en sorte que la cire pénètre dans mes chaussures. Et j'ai recouvert toutes les surfaces comme ça. Ensuite, j'ai utilisé le sèche-cheveux. La chaleur fait fondre la cire dans le tissu. Cette étape était plutôt marrante. Et voilà, des chaussures étanches. J'arrive pas à croire que cet écureuil t'ait volé ton sandwich. Hey, t'as vu cette flaque? Si on sautait dedans? Non, je ne sais pas. Il y a beaucoup de boue. D'accord, on y va. C'est parti. Hey, waouh, t'avais raison. Ça a super bien marché. C'est vraiment trop génial. Je n'aurai plus jamais les chaussures mouillées. Parfois, une journée ordinaire peut devenir vraiment mémorable. Tiens, je me trompe ou c'est mon jour de chance? Je me demande qui l'a laissé tomber. Visez un peu ça. Oh, non, mes clés. Wow. C'était quoi ce bruit? Ce mec a déchiré son pantalon. Oh, faut que je file. C'était super embarrassant. Mais regardez la taille de ce trou. On croirait qu'il est bon à acheter, mais... J'ai une petite idée. Je vais le coudre un peu ici. Voilà. Aïe! Mon doigt! Je déteste les aiguilles. Je vais mettre un pansement dessus. C'est pas super pratique. Là, comme ça. Il va rester collé? Ah non! Tant pis. Mais je peux peut-être essayer autre chose. Pour les endroits difficiles, prenez un pansement normal, mais coupez-le sur les côtés. Ainsi, vous pourrez croiser entre elles les différentes parties. Voilà un pansement futé. Plutôt cool. Alors, où en étais-je? Qui veut répondre à la question numéro 2? Pas moi, je vous en supplie. Toi, peut-être. Moi?
Oh! Ouais, je peux essayer. Regarde, la braguette de David est ouverte. Quand vous voulez, David. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est vrai que c'est drôle. Même le prof se marre. Hein? Pourquoi vous riez tous? Oh, ma braguette! J'ai dû oublier de la remonter après être allé aux toilettes. Oh non! C'est vraiment pas mon jour de chance. Voilà. C'est bien mieux. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Plus de braguette ouverte pour moi. Prenez l'anneau du porte-clés et attachez-le à votre braguette. Tournez bien pour le faire tenir et remontez. Vous n'avez plus qu'à l'attacher à votre bouton. Tenez-vous prêt, je reviens. Ouh, contente que ce cours soit enfin terminé. À plus, mon pote. Oh! David? Oups. Tout va bien. Oh là là! T'es sûr que ça va? Ça a l'air de faire mal. Je suis vraiment désolé. Ça pique. J'ai quelque chose qui pourra t'aider. Fais-moi confiance. T'es sûr que tu t'es pas trompé? T'inquiète, j'ai une petite idée. Ouvrez simplement le tampon et dépliez-le jusqu'à ce qu'il soit plat. Puis, placez-le sur la blessure. Et utilisez de la ficelle pour le faire tenir. Waouh! Je te vaudrais ça, Chloé. Tu m'as bien rendu service. Oups! Salut Ellie! Regarde un peu ce que j'ai acheté. Waouh! Elles sont super, Matt! J'espère qu'elles me vont. Elles te plaisent? Elles sont superbes. On va faire un tour? D'accord. Aïe, ces chaussures ne sont pas souples du tout. Matt? Ça va? Elles me font super mal. Ah non! Une ampoule! Et tu saignes? Comment est-ce que je peux t'aider? Stupide chaussure neuve! Attends, j'ai une idée. J'ai juste besoin de ça. Voilà! C'est pour toi. Quoi? C'est pour ton pied, vas-y! Bon, ça ne coûte rien d'essayer. Mettez le bonnet dans la chaussure afin de protéger le talon. C'est bizarre, mais ça marche. Je vais pouvoir repartir. Ça ne fait plus aussi mal qu'avant. Merci, Ellie. Je t'en prie, allons-y. Les premiers rendez-vous sont toujours difficiles, surtout quand ta copine est en retard. Ça fait une demi-heure que j'attends. Hé, salut David! Tu es magnifique! Ce restaurant est super chou! Je l'ai choisi moi-même. Aïe, je crois que j'ai une écharde! Ça fait super mal! Oh non! Tu vas réussir à l'enlever? Je sais pas! T'as vraiment pas de chance, David! Mais je crois que je peux t'aider. Une pince à épiler est l'instrument idéal. On essaye? Mais d'abord, il faut la stériliser. Tu vas te servir de ça sur moi? Prêt? Approche. Vas-y. Voilà. C'est déjà fini? Merci. J'en ai toujours une sur moi. Super. On commande quelque chose? Combien y a-t-il d'éléments? Du sodium. Il est temps de faire une pause boisson. C'est bien ce que je crois que c'est. Oh, je me lance. Hein? Qui a bien pu faire ça?
C'est censé être drôle. Toi et tes satanés lasers. En fait, c'est l'occasion de retourner la farce à mon avantage. J'ai vraiment besoin de me soulager. Elle est bien en train de faire ce que je crois. Oh, je ne savais pas qu'elle pouvait faire ça. Tu n'as jamais vu une fille faire pipi avant? Pas comme ça. Détends-toi, mec. Je m'amuse juste avec la bouteille de soda, tu vois? Oh, je comprends ce que tu as fait. J'adore ce rythme. Pas vrai, petit mec? Tu en as encore pour longtemps, Brian? Je ne pense pas qu'il t'entende, Zoé. Il met sa musique super forte. À lui, c'est sérieux? Je suppose qu'il est temps de sortir de ce bain. Salut! Oh, j'ai l'impression d'être un nouvel homme. Je dirais plutôt un homme impoli. Mais je sais comment réparer son offense. Brian adore les bains, c'est ça? On va voir s'il apprécie ce nouveau soin. J'ai hâte de voir comment il va réagir. La salle de bain est libre. Cool! Je ne peux pas rater ça. Youhou, c'est reparti pour une séance bien-être au milieu des bulles de savon. Bizarre, cette eau est très épaisse. Presque... trop épaisse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui! Je vais te tuer, Zoé! Et voilà comment ce bain a mal tourné. Oh, génial, Zoé est là. Et avec elle, ses chaussures sales. Hey, je récupère juste ce qui m'appartient. Mais je mangerai bien un petit quelque chose. Je reviens. Pas mal. Sympa de partager, mon gars. Il doit bien en rester quelques-unes. Ah, je les dévore toujours trop vite. Quel égoïste. Je sais comment faire plaisir à ces petits pieds. D'autres chips, je gère. Tu veux jouer à ce jeu, Zoé? Très bien. Tu ne me laisses pas d'autre choix. Ces jambes n'ont pas leur place sur le canapé. Qu'est-ce que... tes jambes sont tombées? Ah! C'est répugnant. Cette farce était incroyable, pas vrai? Ah! Je vais quand même t'attraper. Mon Dieu, cette fille est possédée! Oh, Brian, quel idiot. C'était trop simple. Burke, qu'est-ce que c'est? C'est dégoûtant! Ah, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Burke, je crois que je vais être malade. Très bien, la pâte à tartiner au chocolat est sur l'orange. Mickey, viens par ici, j'ai quelque chose pour toi. Ah oui? C'est vrai? D'accord. Très bien, tends ton doigt comme ça. Maintenant, ferme les yeux. Ok, c'est parti. Tu peux les ouvrir. Ah! Grace, qu'est-ce que tu as fait? Oh, ce film me fait trop peur. Oh! Oh, désolé, Mickey, j'ai juste eu peur, c'est tout. Oh non, Grace, il y a du vernis partout à cause de toi. Oh, il faut que je trouve quelque chose pour me venger. Attendez voir, je crois que j'ai une super idée. Oh oui, je vais lui faire une super blague. Vas-y, écrase ce monstre. Bon, elle est suffisamment distraite. Je vais lui préparer une bonne farce avec ce soda. Je vais y verser de la gélatine sans arôme. On remet le bouchon en place et on secoue bien. Il faut que ce soit bien mélangé. Voilà, ça devrait suffire. Passons à l'étape suivante. Je vais le verser dans ses pailles. On va vraiment se marrer une fois que ce sera prêt. Voilà, les pailles sont toutes remplies. Je vais les mettre un peu au frigo pour qu'elles prennent plus vite. Passons à l'étape la plus compliquée, l'attente. Bon, ça devrait aller maintenant. Voyons voir. Génial! Elles ont bien pris. Tout est prêt pour la blague. Il faut simplement sortir la gélatine de la paille. Waouh! On dirait de longs verres gluants. Allez hop, dans le saladier. Je
ne veux pas voir ça. Ça me fait trop peur. Et voilà, j'ai échangé les deux saladiers. Elle n'a rien remarqué. Oh oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je viens de manger? Beurk! Oh, oh, tu manges des vers, hein? Ça ne te dérange pas si j'en prends un? J'adore cette texture gélatineuse. C'est trop bon. Ces vers sont délicieux. Toi aussi, tu aimes grignoter des vers, Grace? Oh non! Oh. Mickey, c'est dégoûtant! Je veux être malade, c'est sûr! Voyons voir cette robe. Ah, je ne sais pas. Non, ce ne sont pas tellement mes couleurs. Oh, waouh! Magnifique! Non, cette robe ne me va pas au teint. Waouh, ce manteau est absolument superbe! J'adore cette matière! Ouais, c'est exactement ce qu'il me faut! Hé, Mickey, lâche-le! Il est à moi! Certainement pas! Je l'ai vu avant! Toi, lâche-le! Ouais, je l'ai eu! Je la déteste! Il va parfaitement avec mes lunettes de soleil! Et en plus, elle se trouve belle! Peu importe! Oh, mais qu'est-ce qu'on a là? Chut! Ne dis rien à personne, mais je t'embarque pour une farce! Maintenant que j'ai échangé nos vêtements, je mets mon chapeau en place et j'attends. Ce look me va vraiment à merveille! À moi de jouer! Hein? Qu'est-ce que c'était que ça? On aurait vraiment dit que quelqu'un m'avait tapoté l'épaule. Je suis folle de ce manteau! Je suis sûre que quelque chose vient de me toucher cette fois-ci! Hein? Mais il n'y a personne! Je suis toute seule dans le magasin! Je dois être en train d'imaginer des choses! Ça fonctionne, continuons! Hein? Oh non, 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 non! Ah! Ce mannequin est vivant! Sauf qu'il peut! Tant pis pour le manteau! Il faut que je sorte d'ici! Cette blague est vraiment trop bien! Impossible de poser ce livre! Il y a trop de suspense! Quoi? Maintenant? Grace, Grace, Grace! Pousse-toi de là! Vite! Allez, dépêche-toi un peu! Fais de la place! Bouge! Pas question, j'étais là avant, tu n'as qu'à aller ailleurs. Oh, Mickey, tu commences vraiment à être pénible là. Je sais ce que je vais faire. Enfin, bon maintenant je ferai mieux de retoucher mon maquillage avant qu'il n'arrive. Elle va déchanter. Les lèvres, c'est bon. Excuse-moi la plante, je te remplace. Nickel. Mickey, je suis contente de te voir. Oh, merci beaucoup! Je les adore! Je ne te raconte pas la folle journée que je viens de passer! Oh, c'était quoi ça? Quelqu'un a éternué! On pourrait peut-être s'embrasser maintenant? Oh oui, avec plaisir! Ah! Au secours, Mickey! Qu'est-ce que... Grace, tu n'es vraiment pas sympa! Au secours, sortez-moi de là! Tu as fait peur à mon petit copain! C'est pas cool! Allez, il est temps de se mettre au travail. Phew, quelle journée. Je suis épuisée. Ah, elle est tellement bizarre parfois. J'adore la nuance de ce bleu. C'est vraiment l'une de mes préférées. Oh là! Non mais regarde-moi toute cette poussière. Cet endroit est vraiment dégoûtant. Oh, elle a un peu de poussière sur l'épaule. Grace, tu veux bien arrêter? J'essaye de peindre. Oui, mais tu as quelque chose là. Grace, je suis sérieuse. Tout est tellement plus beau une fois dépoussiéré. Voilà, comme ça c'est encore mieux. Hop, dans le bocal. Je vais aussi faire le rebord de la fenêtre. Ah! Mickey? C'est l'occasion pour moi de nettoyer sa toile. Oh, oh non, mon tableau! Qu'est-ce qui est arrivé? Grace? Je ne fais que nettoyer le tapis. Oh, elle va le regretter. J'ai une idée. Voyons voir. Est-ce qu'elle est là? Non, on dirait que la voie est libre. Il est là, son seau de nettoyage préféré tout seul dans un coin. Ce serait vraiment dommage que de la peinture s'y retrouve malencontreusement. Elle va avoir un choc, c'est sûr. Chut! Je dois juste trouver une bonne cachette pour voir la tête qu'elle va faire. Le ménage, ce n'est pas de tout repos. Ouf! Oui, c'est parti! Heureusement, j'ai presque terminé le sol. Qu'est-ce que c'est? Oh! Tout est bleu! Je t'ai bien eu! Tu vas voir ce que tu vas voir! Je ferais mieux de me laver les mains avant de dîner. Du savon? De l'eau chaude? Que ses doigts deviennent propres. Hé! Hey, ce truc est vraiment glissant! Je n'arrive pas à l'attraper! Oh non! Ada! Attention au savon volant! Wow. Qu'est-ce qui s'est passé?
Madame, je suis vraiment désolé. Est-ce que ça va? Comment je m'appelle déjà? Oh non! Mince, ce truc t'a carrément assommé. Comment je vais arranger ça? Hein? J'avais oublié ces gants. En fait, je crois que je viens de résoudre cet effroyable problème. Au-dessus d'une casserole d'eau bouillante, fais fondre ensemble des cubes de savon transparents. Attends qu'ils commencent à se liquéfier. Ajoute ensuite du colorant alimentaire bleu dans le bol. Puis attends que tout est complètement fondu avec la couleur. N'hésite pas à mélanger un peu. Retire-le délicatement du pot et verse le contenu dans un gant en caoutchouc. Place une ventouse en plastique juste sur le dessus. Appuie bien. Puis attends que le savon durcisse. Pour enlever le gant, coupe-le avec précaution à l'aide d'une lame. Ensuite, retire le gant et découvre le savon durci. Ça a l'air pas mal. Hey, ce truc ressemble à une vraie main. Colle ta main sur le mur au-dessus de ton évier. Et quand il est temps de faire de la mousse, prends un peu de savon de cette main tendue. Tu vois? Pas de savon volant. Aïe! C'est du savon? Adam, tout va bien? J'ai résolu le problème du savon glissant une bonne fois pour toutes. C'est quoi ce truc? C'est bon, Adam. Serre-lui la main. C'est vraiment comme du savon. Plutôt cool, hein? Ravi de vous rencontrer, madame la savonnette. Ma tête va déjà mieux.